Olivier, Cyrus des Aigles, pendant toute la course, tu étais bien placé. Mais comment tu l'as senti, toi? Il a cédé quand même pour finir. Non, il a cédé au 800, il a eu du mal. En partant, on va dire déjà par le commencement, bon, on est assez bien parti. On n'a pas été très vite. Il est venu gentiment à côté du leader. On a beaucoup repris. En face, bon, il y a un cheval qui a passé un peu plus vite puisque on a avancé vraiment pas. Donc après, gentiment, il est revenu à côté de lui. Au 800, on a commencé à accélérer et là, il a pas suivi, on va dire, il a pas suivi le rythme. Et avant d'entrer une droite, il était battu. C'est le terrain, une fois de plus, qui le handicap ici, où tu sens que il y a un truc qui va plus, que c'est plus tout à fait comme la belle époque. Il vieillit aussi, il a un peu moins de punch, il y a eu beaucoup de combats et tout. Bon, c'est peut-être plus le même cheval qu'avant, maintenant il faut le retrouver, c'est toujours difficile. Et entraîner un cheval bon, comme lui, déjà avec toute la joie qu'il nous a procuré, bon, moi je suis très content de l'avoir monté. Bon, pas être à l'arrivée, c'est sûr, c'est toujours décevant, mais c'est un cheval qui a beaucoup donné et bon, j'espère qu'on le reverra.